Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Il y a une annonce officielle qui est sortie aujourd'hui par rapport au programme Accès au bonheur. Mais j'avais vraiment à cœur de m'adresser à vous directement parce que pour moi, la sortie d'un nouveau programme, c'est vraiment la sortie déjà d'un nouveau partage avec vous, d'une grande fierté, d'un parcours. De fortes prises de conscience aussi pour moi et de beaucoup de moments de réflexion aussi sur à chaque fois comment faire pour me sentir au mieux dans ma vie, comment être libre de mon passé, comment est-ce que je peux accéder librement au bonheur, à la prospérité, à la joie aussi, à la paix dans mon cœur. Donc en fait, il y a beaucoup de thèmes qui ont gravité ma vie. C'était déjà dans un tout premier temps, comment faire pour avoir la paix dans mon cœur, parce que j'avais une histoire passée qui était assez lourde. Donc ça a été un cheminement pour moi d'avoir les réponses. Et chaque fois que j'ai des réponses, j'ai vraiment une joie de vous transmettre à chaque fois les clés qui m'ont permis de transcender justement mes peurs, mes blessures, et aussi de vous offrir un raccourci. C'est vraiment ça. Je suis animée dans ce que je fais, de vous offrir un raccourci. Je me dis toujours, ben, j'aimerais bien que, voilà, si ça m'est arrivé, voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise, voilà ce que j'aurais aimé qu'on me partage. Et c'est vraiment dans ce sens voilà, que vont mes transmissions. Puis après avoir vraiment trouver les clés, en tout cas les clés qui me conviennent et que je vous partage, par rapport au fait de se sentir libre de son passé, retrouver la paix dans son cœur, quelles que soient les blessures. J'avais même créé, je me rappelle, un séminaire sur le pardon, comment pardonner aux parents, parce que ça a été aussi le fruit d'un parcours pour moi, la déprogrammation des mémoires cellulaires, des blocages, ça aussi. J'avais fortement envie d'activer en moi le fait que je sois libre de vivre ma vie comme je veux et aussi dans le pouvoir de créer ce que je veux. Donc ça a été aussi le fruit de pas mal de transmissions dans la confiance en soi, comment ancrer la confiance en soi pour que ce ne soit pas juste une décision, un concept hein, complètement volatile, mais vraiment quelque chose qui s'ancre en soi. Puis j'ai créé le programme Créer votre propre changement, qui a été aussi un programme phare en fait pour moi, où je vous ai transmis le processus de déprogrammation et de reprogrammation pour que vous aussi, en toute autonomie, vous puissiez transformer votre vie. Là, aujourd'hui, c'est un nouveau programme qui sort, qui pour moi est waouh quoi, waouh. Je suis vraiment heureuse de pouvoir me dire que, voilà, à cette partie-là de ma vie, à l'âge où j'ai aujourd'hui, que je puisse toucher enfin à un objectif que je voulais tellement, tellement atteindre. Je n'ai jamais eu de cesse que de vouloir être heureuse, en fait. Et le fait est même que cet objectif soit atteint, que je goûte pleinement à ce que je désirais vraiment dans mon cœur, pour moi, c'est waouh. Et j'ai vraiment à cœur de vous le partager, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis ce programme Accès au bonheur, où j'ai vraiment retracé mon processus moi-même, comment j'ai procédé, de façon à vous donner vraiment avec générosité tous les clés pour que vous aussi, là maintenant, vous puissiez avoir les moyens d'être heureux, les moyens d'accéder au bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et ce live, mes amis, vous ne pouvez pas dire je ne sais pas. Vous ne pouvez pas dire je n'ai pas eu l'information. Vous savez aujourd'hui que vous avez les moyens, il y a des outils pour accéder au bonheur. Bien sûr que parfois, selon les héritages de notre enfance, on ne sait pas comment faire. Et c'est la raison pour laquelle on se dit on a besoin d'apprendre à être heureux. En fait, l'idée aujourd'hui, et je souhaite, si vous traversez cette vidéo, c'est de se dire les moyens sont là. La seule et unique question que vous avez besoin de vous poser, c'est est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Est-ce que vraiment, dans mon cœur, est-ce que vraiment j'ai envie d'être heureuse? Est-ce que vraiment c'est le moment pour moi? Ou est-ce que j'ai encore envie de réajourner ça? Et ça, c'est une décision que vous avez besoin de vous prendre, de prendre en fait dans votre cœur. Mais j'aimerais que vous sachiez que dans tous les cas, les outils sont là. Vous les avez à disposition. C'est accessible. C'est comme si vous allez dans un supermarché et que les produits sont sur l'étalage.
À vous de savoir si vous avez envie de mettre ça dans votre caddie ou pas, si vous avez envie d'emporter ça avec vous ou pas. Et ça, c'est de votre libre arbitre. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est avec tout mon cœur que je vous mets à disposition ce programme Accès au bonheur. Donc, à qui ça s'adresse? Donc, le programme Accès au bonheur est fait pour vous. Si vous avez déjà fait un long chemin spirituel, un cheminement en développement personnel, un travail sur vous, et que vous vous dites, OK, aujourd'hui, j'en ai marre de faire ce chemin-là, parce que malgré tout, je me sens bien, je sens que, bon, il y a des améliorations dans ma vie, je me sens mieux, j'ai amélioré ma vie, j'ai amélioré la qualité de ma relation avec les autres et avec moi-même. Malgré tout, vous sentez que le bonheur n'est pas permanent. Il est là de temps en temps, mais c'est comme si à chaque fois pour y accéder, vous auriez besoin de processer. Il va falloir processer pour y arriver. Il va falloir faire un travail sur soi. Il va falloir méditer. Il va falloir. L'accès n'est pas direct. Donc, la première chose, c'est que ce programme Accès au bonheur est fait pour vous. Si vous avez envie d'avoir un accès direct au bonheur et de vous affranchir complètement d'un cheminement à faire pour y accéder. La deuxième, c'est que ce programme est fait pour vous si vous avez envie de vivre dans le bonheur maintenant. C'est-à-dire si vous avez envie de vous dire, moi j'ai envie de faire sauter complètement le fait que ça soit un objectif. J'ai plus envie que mon bonheur soit un objectif, je veux que mon bonheur se vive maintenant. C'est maintenant que j'ai envie que ça se vive, c'est pas pour demain. Donc encore une fois, il s'agit ici de se dire, OK, je m'affranchis, que ce soit un objectif, que ce soit le fruit d'un cheminement. Je veux vivre mon bonheur maintenant et de manière directe. Donc, je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais si c'est le cas, ça veut dire que ce programme est fait pour vous. Ce programme, il est aussi fait pour vous si vous avez envie d'être libre, libre du poids de votre passé et de vivre le bonheur de manière durable. Il y a un moment donné où on a envie de porter les choses dans notre cœur et de se dire de manière évidente, absolue, sans aucun doute, que demain, je vais aimer ma vie autant que je l'ai aimée aujourd'hui. Et ça, c'est des choses que vous avez complètement la possibilité et le pouvoir de mettre en place. Vivre le bonheur, et je pose que j'ai envie de vivre le bonheur de manière durable. J'ai envie qu'une page se tourne. J'ai envie d'une nouvelle histoire dans ma vie, une nouvelle directive. J'ai envie de vivre ma vie à travers des perspectives qui génèrent de l'amour, de la joie, de la prospérité. J'ai envie d'une vie pleine telle que je le souhaite. On dit toujours qu'on a le temps, mais c'est maintenant que ça se passe, en fait, mes amis. Vous n'avez qu'une seule vie, c'est celle-ci. C'est celle-ci. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes prêt à vous autoriser? J'ai envie de m'autoriser à être heureuse, là maintenant. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, vous n'avez pas besoin de tout régler pour y avoir accès. Là maintenant, j'ai envie de m'autoriser à être heureuse maintenant. Je ne sais pas comment faire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là, qui vous accompagnent, des thérapeutes et des coachs qui vous accompagnent à y accéder. Le mien, en tout cas dans ce programme, c'est on va pas guérir nos blessures. Non, 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 ça suffit en fait. Ça suffit, ça suffit. Là, on y accède directement et maintenant. Dès lors que vous vous inscrivez au programme, à ce moment-là, vous avez signé que le bonheur va faire partie de votre vie. Et mon job à moi, et je vais me sentir engagée pour ça comme tous mes programmes, c'est vraiment de vous transmettre tous les outils nécessaires. Le processus, parce que j'ai mis en place un processus de reprogrammation avec les codes spécifiques du bonheur pour que vous puissiez encoder cette énergie, cette fréquence dans votre vibration intérieure et de façon à ce que vous puissiez en toute autonomie, que vous puissiez savoir faire par vous-même. Et ça fait aussi partie de l'un des bénéfices phares de tous les programmes que je propose, c'est déjà des programmes transformateurs, mais surtout, si vous avez envie aujourd'hui de dire j'ai envie d'être autonome et de savoir comment faire pour être heureux, j'ai envie d'avoir les clés, j'ai envie de comprendre le processus et d'en faire ce que je veux aujourd'hui et pour toujours dans ma vie, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus si vous avez soif d'autonomie et soif d'être propriétaire de vos transformations
comment dire, et de vous reconnecter véritablement à votre pouvoir créateur. Donc vous êtes vraiment les bienvenus pour ça. Autre chose, le programme Accès au bonheur est aussi fait pour vous si vous avez envie de vivre le bonheur de manière illimitée. Illimitée dans le sens, dans tous les domaines de votre vie. Généralement, on peut se dire, tiens, là, je me sens épanouie dans le domaine professionnel. Malgré tout, ça pêche dans le domaine personnel ou amoureux, ou dans le domaine familial. Ça pourrait aussi être dans le sens où vous dites, tiens, là, je vis un événement génial parce que ça y est, j'ai accès à la prospérité et au succès. Et vous sentez en contrepartie que cet instant, cet événement de bonheur va s'entrechoquer avec enfin, des situations de rejet. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous brillez, à l'instant où vous êtes dans votre zone de génie, vous êtes dans ce bonheur infini, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous ramener en arrière. Si vous êtes concerné par cette situation et que vous vous dites, bon, moi, c'est bon, j'ai plus envie de ça, le programme est fait pour vous. Le programme Accès au bonheur est aussi fait pour vous si vous avez envie d'encoder, de savoir encoder et déjà d'encoder les codes du bonheur. D'encoder le code du bonheur dans votre cœur, d'encoder les codes du bonheur en vous, de développer le ressenti du bonheur en vous. Surtout, surtout, si ça n'a pas fait, surtout si dans votre enfance, vous n'avez pas eu cet héritage-là. J'en fais partie. Moi, au départ, quand vraiment j'ai plongé dans ce cœur, dans le cœur de ce sujet d'être heureux, en réalité, je peux vous poser cette question, quelle est la sensation? Être heureux, c'est quoi? C'est quoi la sensation véritable? Est-ce qu'être heureux, c'est des pics où on a une joie intense et on se dit, ah là, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il faut pour finalement redescendre à un moment donné et de se dire, ah là là, ça y est, j'ai plus rien. Est-ce qu'être heureux, c'est uniquement ces moments intenses-là? C'est ça la question. La problématique, c'est que quand on est dans une enfance, on n'a pas hérité de l'amour, du bonheur véritable, on connaît qu'un seul espace, l'espace du vide, l'espace du manque, l'espace du rejet, l'espace de l'abandon. Ça, c'est un espace qu'on connaît très très bien. Donc, du coup, le bonheur qu'on vit est un espace, le bonheur qu'on connaît, du moins le ressenti du bonheur qu'on connaît, est un ressenti forcément intense, en parallèle avec l'intensité des blessures qu'on a pu vivre. Et du coup, notre cerveau se dit, cette sensation de compensation, c'est une sensation de bonheur. Donc ça va être une sensation intense. Mais en réalité, cette sensation intense de bonheur, qui est dans la temporalité très courte, mais intense, est une sensation comment dire, en compensation de vos blessures, et non une sensation véritable de bonheur qui est pérenne et durable dans le temps, qui est une joie stable. Là, dans votre cœur, quel que soit ce que vous allez traverser. Et ça, cette sensation qui est, pour moi, a été une sensation nouvelle, c'est un ressenti que j'ai dû apprendre à faire naître, à développer en moi et à faire grandir à l'intérieur de moi. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous transmettre parce que du coup, c'est comme un muscle qu'on a besoin. Ce ressenti du bonheur est un muscle qu'on a besoin de faire grandir. C'est ce qu'on appelle apprendre à être heureux. Donc, c'est ce que ce programme, il y a vraiment un volet dans ce programme où c'est important pour moi que vous développez ça parce que plus vous développez votre ressenti du bonheur et plus vous serez à même de créer, de matérialiser des événements heureux dans votre vie et de belles opportunités. Donc voilà. Alors, ce programme est aussi fait pour vous si vous êtes, vous êtes avide et vous avez envie de fluidité, de facilité, de simplicité. Stop à la galère répétitive. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Stop à dire, ah, je galère et enfin je mérite le bonheur. Non, stop aussi au syndrome du héros. À un moment donné, syndrome du héros victime, hein, pour dire, ah, tiens, je mérite. Bon, stop, ça suffit. En fait, ça suffit. Donc, le programme vous permet justement de grandir, de faire le choix de grandir à travers le bonheur et l'amour, plutôt qu'à travers les épreuves.
on réinjecte en soi cette fréquence de la fluidité, de la simplicité, de quelque chose qui se dépose, de faire en sorte que les choses viennent à vous naturellement, maintenant, maintenant et immédiatement. Donc tout ça, c'est vraiment un accompagnement, ça s'apprend en fait. Il y a des techniques pour vraiment introduire, vraiment, comment dire, ancrer ces nouvelles fréquences à l'intérieur de soi. Et la dernière chose, mais je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, et je le répète, c'est ce programme Accès au bonheur est aussi fait pour vous si vous avez envie d'autonomie. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai envie de construire mon bonheur, mais j'ai envie de savoir comment faire, de façon à ce que je n'ai pas à chaque fois besoin de solliciter un thérapeute, chaque fois que j'ai un pet au casque, il y a quelque chose qui m'arrive. Donc voilà, donc moi, c'est vrai que ça me... Dans tous les programmes que je propose et les processus que je vous partage, qui sont des processus transformateurs et puissants, puisque c'est des processus où vous allez transformer dans l'instant, ça se passe maintenant. Il y a vraiment tout un aspect pédagogique aussi dans ma façon de transmettre dans les programmes, parce que j'ai vraiment à cœur que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel, que vous soyez propriétaire de votre transformation, parce que si vous le faites pour vous, mes amis, vous le faites pour votre entourage aussi, et ça c'est important. Et aussi pour d'autres thérapeutes, bien sûr, c'est vous pouvez réutiliser les processus et en faire aussi, si vous savez le faire, en faire bénéficier pour vous-même, vous pourrez en faire bénéficier aussi tous vos patients. Donc il y a vraiment un aspect pédagogique dans ma transmission. Donc voilà. Et une dernière chose, c'est que ce programme, il est fait pour vous, mes amis. Si vous avez envie d'être une personne rayonnante de bonheur, et aussi d'être une personne inspirante de bonheur et de le transmettre et de le rayonner autour de vous. Voilà. Ce programme est magnifique, je ne peux pas vous dire autrement. Ce programme, imaginez-vous qu'à un moment donné, vous dites, bon, le programme commence le 23 avril. À partir du 23 avril, en fait, j'ai pris une décision. Et la décision que j'ai prise, c'est à partir de ce moment-là, je vais vivre le bonheur. À partir de ce moment-là, ma vie va se transformer. C'est ça dont il s'agit, en fait, mes amis. C'est ça dont il s'agit. Et on part pour 2 mois. 2 mois dans lesquels je vais vous transmettre pas à pas. Tous les programmes que je propose sont des programmes théoriques, comme je vous ai dit, parce qu'il y a un besoin de transmission pour que vous puissiez mettre en application vous-même dans votre quotidien. Mais c'est aussi pratique. Vous allez pratiquer. Encoder la fréquence du bonheur, pratiquer dans votre quotidien. Parce que ce qui compte, c'est quoi, mes amis? C'est pas juste que vous comprenez le système, le mécanisme, le bonheur, le blabla, la théorie. C'est pas ça qui compte. À la limite, on a besoin de comprendre comment ça marche. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez vous réveiller le matin et que vous puissiez aimer votre quotidien, que vous puissiez tous les jours dire, waouh, j'adore ma vie. En réalité, je vis des bonnes choses. Enfin, ce que je suis en train, ce programme n'est C'est-à-dire que ce que je suis en train d'apprendre là dans ce programme, je le vis vraiment. C'est vraiment là, c'est je le vis et je suis porteur de cette transformation. Et ça, c'est important pour moi. C'est important. Donc, on a 2 mois de façon à réajuster aussi les anciennes mémoires hein, que vous avez. Donc, le tout, c'est d'une part, on va construire un nouveau paradigme qui va être un paradigme avec des nouveaux codes. Moi, j'appelle ça aussi une nouvelle matrice. Il est temps de sortir de notre ancienne matrice et de construire une nouvelle matrice qui soit une matrice basée sur le bonheur, l'amour et la prospérité, en fait. Et du coup, au sein de ce nouveau paradigme, bien sûr, vous allez construire, le bonheur va devenir une nouvelle norme pour vous, une nouvelle règle de vie. Ce sera votre référentiel à partir de là. Et en fait, on a 2 mois ensemble où vous allez mettre vos nouveaux référentiels par rapport au bonheur. Vous allez décider des nouvelles règles de vie. Et du coup, vous allez aussi changer votre entourage. Les choses, elles vont se déposer, elles vont venir à vous. Portez une attention particulière sur s'offrir. C'est un vrai cadeau que vous allez vous offrir. Voilà. C'est un vrai cadeau que vous allez vous offrir. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si tout ce que je vous dis là, si vous vous retrouvez dans tout ce que je vous dis là, c'est que ce programme Accès au bonheur est fait pour vous. Il commence le 23 avril. Moi, je serai ravie de vous accueillir au sein de ce groupe. Sachez qu'on est un petit groupe de 6 personnes afin que je puisse vraiment, vraiment m'occuper de chacun de vous. Et que même si on est en collectif,
votre situation va être prise en compte. Les blocages qu'on aura besoin de déprogrammer vont être pris en compte. Donc, les codes que vous allez avoir seront personnalisés. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. J'ai vu qu'il y a plein de monde qui sont là. Coucou Daniel. Hello Sarah. Je ne sais pas qui est là sur Facebook. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un like. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce programme vous parle? Qu'est-ce qui vous parle dans ce programme? Je serais ravie d'avoir votre retour. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée. Une belle journée. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos rêves. Et faites de votre rêve une réalité ici et maintenant. Tout est infiniment possible, mes amis. Vous avez le pouvoir et le pouvoir suprême et la liberté suprême de créer absolument tout ce que vous voulez. Il suffit juste de savoir comment faire. Ouvrez-vous à vous-même, ouvrez-vous à votre propre puissance, ouvrez-vous à votre pouvoir créateur, vous allez voir, vous allez être le roi du pétrole. Voilà, belle phrase de conclusion. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.